C'est cela, on se retrouve sur Crusader King 3, on est en pleine bataille, mais on va la gagner, on va vaincre l'Empire Byzantin. Comment vas-tu, Tikamon ? Bien, en forme, énervé. Enfin, en forme, j'exagère, mais ça se passe bien. Allez, je me replie immédiatement pour aller récupérer. Ils ont perdu 5000 hommes. On a perdu quand même un paquet, nous aussi. Du coup, on a de l'approvisionnement. Allez, hop, on repart. En bateau, on a encore un peu de sous, on a 700 sous, on n'est pas si pauvre. Il lui reste 15 000, j'en ai 12 000. Ok. Oh, il faut que je purge mes prisonniers, ça commence à mourir. Alors, fourbe, honnête, humble, c'est très bien. Elle a formé une alliance avec qui ? Avec le royaume de Sicile ? Oh non, il s'est séparé ! Bon, enfin, 2000 hommes. Non. Merde. Et qui est mort ? Il y a pas besoin d'une pause, là ? Tu serais pas morte ? Je suis l'empereur Humbert. Alors, on va aller voir rapidement ce qu'elle a fait. Elle a pas dû faire grand-chose. Hein. Oh là, deux décès. Elle a pas dû faire grand-chose. Elle a régné 16 ans seulement, l'impératrice Clarimonde. Moins que Beuve, 3 ans de moins. Attends, 60 ans celle d'avant. Hein. Et nous sommes maintenant l'empereur Humbert. Alors lui par contre, il rigole pas. Mais il est magnifique, il vient génial, maître des lames légendaires et berserker. Mais tu sors d'où celui-là ? C'est mon fils. Mais je savais pas que t'avais un si beau gars que ça à cet âge-là. Attends, on va le retoucher. Il a 29 ans, j'en ai 31. Ah, mon épouse est enfin enceinte. Aurais-je un fils compétent? Ou au moins pédant? Mais il y a beaucoup de trucs, cheveux. Les barbes. Ce qui me fait penser que... qui fait la gueule? Voilà. Ça y est. Ah oui, la limite du domaine, il faut vraiment que je donne une terre. Ah, c'est pas vrai. Il va falloir que je... C'est quoi? Elle est quoi comme foi, elle? Catholique. Tu m'étonnes que tous ces gosses sont ratés. Bon, je vais garder ma femme encore un peu. J'ai le temps d'avoir des gosses. Voyons les factions. Ah, pas d'héritier. Ben non, j'ai pas d'héritier. Du joueur de votre dynastie. Il faudrait que j'ai tué tous mes enfants. J'aurais peut-être pas dû. Au-delà de la limite du domaine, 9. Ah oui, quand même. Ça pique. On va prendre l'intendance en premier. Ça tombe bien, il est parti dans le bon côté. Il est hyper stressé, il va risquer... Ah, je risque de perdre la partie, là. Il est extrêmement stressé et j'ai pas d'héritier de ma dynastie. Ce qui est assez incroyable parce que j'ai des frères et sœurs. J'ai un frère. Je comprends pas. Ça doit être une erreur, ça. Ne vaut qu'un titre est jouable que les membres de votre dynastie hériteront à votre mort. Ah, parce que mon héritier... Non, parce que j'ai pas d'héritier tout court. Non, mais là, c'est bizarre que mon frère puisse pas hériter. Il est déshérité, mon frère. Bien sûr qu'il est déshérité. Il faut le... C'est toi le chef de la dynastie pour l'instant ? Temporairement, oui. Bon, alors, j'espère que je vais pouvoir le redevenir rapidement, alors. Alors, on a tous beau monde ici. Donc la population. 16 déjà, on va pouvoir nommer un maréchal. Le roi de Bretagne, très bien. En intendant, le roi de Norvège. En chancelier, le roi d'Écosse. Alors, ils me détestent pas tous, hein. Pour l'instant, ça c'est bien. Pas de mode de vie choisi. Intendance, domaine. Parce que là, ça pique. Au-delà de la limite du domaine de 4, c'est beaucoup. Faction pour l'indépendance, qui c'est ? Roi de Norvège, roi de Bretagne. Et un roi du Worcestershire ? C'est quoi ça ? Le royaume du Worcestershire ? C'est pas terrible comme royaume, ça. D'accord. Le mec, il s'y fait un royaume. Carrément. Il a un comté, il a un royaume. J'ai un roi. Ah bah écoute. Qui d'autre ? Qui d'autre à gérer? Voilà, roi de Bretagne déjà. Oh là là. Accorder des titres. Le problème, c'est que j'ai pas d'argent pour faire des duchés.
Donc ça va vraiment être tendu. Il va falloir de l'argent. Il va falloir qu'on arrête cette guerre rapidement. Eh oui. On n'aura pas été aussi loin que prévu. Tu veux que je continue un peu ou je rentre au Bercail du coup? Il faut aller, il faut que tu ailles prendre la capitale, okay. Byzance, pendant que moi je vais prendre la, pour, la Sicide. En ok, fait. Bah je focus la capitale, c'est parti. C'est reparti pas tout de suite. Non mais j'ai dirigé la Méroté. Un petit peu quand même. Voilà. Je suis devenu chef de la dynastie. Ça va aider. Je remets en pause. Et il faut que mon frère refasse partie de la dynastie. Autre, revendiquer le titre. Autre, poser une tutelle. Autre. Il n'est pas déshérité, dénoncé. Ah là, j'ai un problème. Il peut pas hériter de moi alors que moi j'hérite de lui. Ok, je comprends pas. On en saura plus tard. Ouais. Ma gloire est bien connue, sûrement. Alors, je suis en vue de la capitale, presque. Une nouvelle faction contre moi. Mon cousin, évidemment, saloperie, que j'ai nommé dans une terre chez moi. Mais tu vas se calmer, oui, parce que il veut le duché, je pense. On va voir ça quand on sera en paix. On va purger un peu tous ces gens. Ça va. 7 mois pour la capitale. Ouais. Et il y a des gens qui arrivent, c'est qui ça? Le Despotat et Salonique, bien sûr. Hop là. Il faudrait que je fasse un duché, moi. Et que je me soulage. Alors, attends, on a eu la Héraldique. Non, on se fascine pour la Héraldique. On vient de finir l'urbanisation. Excellent. Alors, la fascination, elle est pourquoi? Le droit divin. On a les chroniques ici, qui augmentent. On peut utiliser le casus belli. Et nous, on va aller sur les opérations bancaires. Voilà. Suis-je redoutable? Pas du tout. Et il faut vraiment que je crée un duché quelconque. Hop, un duché quelconque. Normandie, Flandre, Essex. Cornouailles. Vive les religions différentes. Toujours dans stock. Alors, voyons maintenant mes vassaux. Roi de Norvège, il m'aime un peu. Romagne, il m'aime pas. Écosse. Je vais lui accorder le duché de Cornouailles. Voilà. Il m'aime un peu. Est-ce que je peux transférer des vassals? Je n'ai pas de vassal à transférer. Dès que je peux faire des duchés, j'en fais. Essex, créer le titre. On va encore le donner au mec d'Écosse. Non, on va le donner au mec de Bretagne. Moi, Bretagne. Accorder le duché de Essex. Voilà, il commence à aller mieux, les gars. Un petit peu mieux, est-ce qu'ils vont se retirer de la faction? Dans 6 mois, ça pète avec le roi de Norvège et le roi de... Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Si le Nord se fâche... Putain, c'est pas vrai, on me refait un truc. Je dois convaincre le pays de rester uni. Ok, je fais ça. Ça va me stresser un peu, mais... Par contre, je suis vraiment au bord du stress, quoi. C'est le problème, c'est que je risque de mourir. Et au niveau financier, t'es comment? Mal. Et sur ces maquettes plus, c'est que pour l'instant, moi, je vais vers une fin de partie alors que je suis stressé. Je t'envoie un peu d'argent. Allez, je vais t'en faire un petit peu. Ça va bien démarrer. Merci. Quand même. T'as pris, ok. On envoie encore un peu. Merci.
Faudrait que j'arrive à convaincre le royaume de Norvège de rester. Mais c'est qu'en plus, il prend l'argent, il prend. Oh oui, je le prends. Dieu te le rendra. Vassaux, roi de Norvège, vassal puissant, il m'aime bien pourtant. Hein. Encore un peu. Alors. Encore un peu, c'est ça? Oui, vas-y, prends. Hop là. J'accepte votre cadeau. On y va, on va faire des duchés. En Norvège, qu'est-ce que je pourrais créer comme duché en Norvège? C'est le dernier que je te fais, parce qu'après j'ai des projets, et ça commence à faire beaucoup. Moi, c'est plus grand-chose. Pas de soucis. En fait, c'est tous les prisonniers que j'ai vendus. C'est le tribut de guerre, là. Ah oui. York, non. Tiens, il y en a un là. Un là. Alors, c'est qui celle-là? C'est pas chez moi. Valois, ça peut se créer, ça? Non, on peut pas. En Romain, là, sûrement dans ce coin-là, il y a des duchés à créer. Tiens, en Cône. Ah, j'ai pas les sous. Ok, alors on y va. Norvège. Déjà, avec un seul, il ira quand même nettement mieux. Bien. Roi de Bertrand de Norvège. T'as réussi à faire des choses intéressantes. Je peux le défier en duel, tiens. Mais je vais lui accorder des titres plutôt. Le duché de Lancastre. En Aquitaine, elle a deux guerres gérées, elle. Le duc de Berry qui l'attaque et... Il m'aime à 73, c'est plutôt pas mal. Siège d'Apulie. La couronne absolue, ça leur fait moins 30 quand même dans la tronche. Il est juste à côté de moi, je le crois pas. Il est en train de prendre mes terres de Sicile. J'ai tous mes bourgmestres qui me font ma tronche un peu. Tu les gères un petit peu, tes bourgmestres de tes territoires? Non, jamais. Ah, aucun intérêt. Les bourgmestres, on s'en contrefiche. Heureusement qu'ils sont pas de révolte républicaine. Hein. Pause. Oui. On a pris quelque chose et on a 100%. Ah oui, en prenant le truc, j'ai enlevé son bonus du fait qu'il n'avait pas la Sicile. Alors on est à 100%, j'espère que tu auras le temps de prendre Byzance. Je suis dessus, hein. Je sais, mais on verra. Il peut accepter en fait avant. Dans 48 jours. Ce qu'il faut, c'est qu'il refuse. Est-ce que j'ai besoin de prestige? Pas tellement. J'ai eu un fils! Excusez-moi, j'ai loupé un truc. Non, c'est... Byzance n'est pas tombé? Non. Non, pas encore. Un jour encore. Et c'est bon. Bravo. Alors. Mais du coup, mes troupes, je peux pas les disperser chez toi. Non. Ah. Mais c'est parce que t'as une autre guerre qui est ouverte. Non, parce que en fait, j'ai. Un pillage en Champagne. D'accord. Alors, je passe ça. Je vais regarder si on a des prisonniers à vendre. Vas-y, vas-y. Si je peux faire... Et si je peux faire quelques titres pour... Ouais, je dois pouvoir faire un titre de duc encore à nouveau. Est-ce qu'on peut monter Istanglia. Istanglia, j'aimerais bien éviter de le faire. York aussi. On peut remonter très bien. Le Rhône. Okay. Ah, j'ai donné le duché de Lancastre à quelqu'un. Deux secondes plus tard, je peux le recréer, quoi. Le mec, ça lui a fait plaisir, mais il a détruit le titre, quoi. Donc, du coup, de mes vassaux, ça va. Moi, le roi d'Irlande me supporte, le roi de Bourgogne est content, le roi de Tahir d'Afrique est heureux, le jeune roi Adélard II de Navarre m'aime bien, et la reine d'Aquitaine, elle se démerde. Ah ouais, quand même. Le plus gros, c'est qui?
C'est quand même Navarre, hein. J'ai intérêt à bien le caresser dans le sens du poil, lui. Bon, moi, il a 100, là. Ça serait bien qu'il quitte le... Qu'il quitte la faction. L'Irlande est le plus dangereux, et après, c'est la Bourgogne, ok. Bon, c'est pas mal, cette petite guerre, là. Ah. Pas mal, hein. Ouais. Est-ce que je punis le roi de... Ouais. Je défie en duel le roi Bertrand, le tyran de Norvège. C'est parti. Alors ça, est-ce qu'on le verra, par exemple, dans le prochain DLC? Est-ce qu'on aura des vrais duels? Ce serait... Bah non, les duels sont déjà pas mal. Mm. C'est la couronne. Ouais. Alors attends, parce que ma dernière chance. Non. Ensuite... c'est tout ce que vous croyez pouvoir vous opposer à moi. Donc moi j'ai un fils qui... Ah, j'ai perdu, nom de Dieu. C'est pas vrai. Comment il a fait pour me battre, cet enfoiré? Alors, vous obtenez très blessé. Vous obtenez une rivalité. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas de rival avec lui, au contraire. Attends, il est dans la faction pour l'indépendance. Hein. Tu rigoles, quoi. Je voulais l'emprisonner. 93, je vais mourir. Et j'ai pas d'héritier. J'ai une fille quand même, non? Même pas. Je comprends pas pourquoi j'ai pas d'héritier. Comment c'est possible? Ce titre-là. J'ai la variole. Mais c'est pas possible. Le roi d'Écosse. Ah, misère. Attends. Pourquoi c'est le roi d'Écosse qui hérite de mon titre? On peut guérir de ça ou quoi? Choisir la divinité protectrice, tiens. On va regarder un peu. Tour. Alors. Allez, chasser. Éviter la nourriture. Ouais, je vais éviter de manger. Les chasser, éviter les prétendants. Je suis anorexique en fait, en vrai. C'est dommage, il y a des gens qui sont malades, qui sont bien. Je peux pas les chasser. J'ai un chevalier qui est malade avec moi, l'empereur. Mais pourquoi mon frère ne peut pas héritier? Je comprends pas. Bon, il faut que j'ai un enfant là. Quand est-ce qu'elle tombe enceinte, elle? Narikissa. Oh. Elle est poète, c'est bien beau, mais... Faut qu'elle me fasse un gosse. Mais encore une fois, pourquoi mon frère... Je ne peux pas y hâter. Bon, il me faut des concubines. Des concubines pour avoir un enfant plus vite. Ok, on disperse les troupes. Apparemment, c'est réglé. Faible contrôle en Moura. C'est où Moura? En la faction contre moi. Attends. Ouh là, problème, stop. D'accord, j'avais pas compris ça. J'ai 39 sur 10 de domaine. Ah, mais voilà pourquoi. Non, c'est beaucoup quand même, j'avoue. Je n'ai plus la variole. Je suis sauvé. Toi, je vais t'accorder des titres. Très bien. Ensuite, il faut que je crée un duc là-bas. Constantinople, accordé à... Pertinence. Puis, non. Alors, le filtre, quelqu'un qui naît dynastie, sans dynastie, voilà. Titre, il faut quelqu'un qui n'ait pas de titre. Ouais, puis nous on va faire des pépettes. Dirigeant, pas un dirigeant. Voilà. Vagant, 61, Magnus.
celui-là. Magnus, je vais te donner tout ça. Oserais-je tuer un viking pour gagner un peu plus de routabilité? Oui. Ensuite ici, on va voir. Mokro accordé à... Toujours les mêmes. Vagrant, ça sera... Horde. On va donner aussi tout ça. Alors, on va aller pas plus loin. Mais pas terrible. Ensuite, c'est où le royaume là d'Italie? Ça va jusque là, d'accord. Donc effectivement, on confirme que là, ça s'arrête là. Et je vais donner à quelqu'un d'autre. Accorder à... Si ça sera... Il y a une couronne, pourquoi il y a une couronne? Ça m'inquiète. Hop. Voilà, je fais trois énormes comptes sous moi avec les terres de... Les terres, la faction a été dissoute. C'est bien. J'ai 17 terres encore. Ah. Gros morceau finalement à gérer là. Ouais. Alors, non, Rossano, Lec et Lutheras, je vais pouvoir donner ça. La duchesse de Bénévent. Et du coup... Nous... Même pas du tout. Ah, c'est Romagne. Transférer des vassaux. Où ai-je placé ma capitale? À Coimbre. Évidemment, à Coimbre. Alors lui, s'il n'est pas fidèle après ça, je sais pas ce qu'il faut. Puis il est en guerre avec un vassal de vous. D'accord. Et toi, je peux t'accorder ça, ça et ça. Très bien. La République de Venise. Le Royaume de Venise. D'accord. Pour augmenter garnison. Il est à moi, lui. Ok. Bon, bah, je relance. Pardon, c'était en cours. Tout va bien. J'ai 14 titres. C'est quoi, Tortioli? Ah oui, c'est un truc que j'ai pris, là. Mince, Romagne, il a ça. Il a un bout de la Sardaigne, ce qui fait que ça va être compliqué de te la rendre. Comment je vais faire pour te rendre ça, moi? Tortioli, on va accorder l'indépendance à quelqu'un de tout seul. Pour l'instant. Cagliari. Innsbruck. Salisbury. Bologne, Padoue, York, Sienne, Cambridge, eux. 13, c'est ce que j'avais avant, c'est très bien. Mais je suis à 13 sur 10, c'est beaucoup. Ouais, bah je fais le tour de c'est pareil, c'est pas trop ça. On va regarder un peu de sous. Est-ce qu'on peut c'est pas chiner conjointe. Elle est pas bonne en intendance. Hein. Je peux dépenser. Je veux le domaine. Elle me fait même pas passer à 11. Oh, là là. Oh, on gagnera de la foi plus tard. Allez, on chine. Elle a plus de divorce, elle est pourrite. Plus de variole chez moi, l'Empire est sauf. Très bien. Celle-là me plaît bien. Bon, absolu secret, je ne gère jamais ça, et puis c'est de la famille apparemment là. Pourquoi elle veut pas se marier avec moi? Là, il y a la petite nouvelle. À quel âge? 18 ans. Ben voilà, elle est bonne en intendance. Ça me fait combien? 11 de domaine, c'est toujours mieux. C'est plus qu'à progresser ici. Et jusqu'à attention divisée et on sera bon. Parfait. J'ai toujours un médecin, c'est ma petite maman. Non, on est bien. Et surtout, j'ai un héritier, donc là, je suis content. Bon, la question... Ah, mais comme je suis mort, je peux refaire une invasion sur l'Empire byzantin. L'Empire complet.
Oh, non, non, on peut recommencer comme j'avais fait, mais ouais. J'aimerais d'abord aller récupérer des terres en Lotharingie, en Francie orientale, Francie occidentale. Qu'est-ce qu'on a ici? Conquérir le duché de Valois, tout à fait. Il a 12 000 hommes, j'ai 20 000 hommes, c'est un peu tendu quand même. Mais on va y aller. Écoute, hein, et puis moi, mon patriarche est mort, il faut que j'influence l'autre pour avoir des troupes quand même. Où est mon drapeau? Allez, vous tout lever ici, c'est parti. Côté mariage et alliance... Il faudrait que t'attaques le français pour prendre Orléans, Sancerre et Montargis, ça sera trois guerres différentes. Hein. Faudrait que tu fasses ça petit à petit. Je regarde. Alors si je fais la guerre contre le duché, je chope Chartres, donc c'est pas génial. Faut pas faire pour le duché, faut que tu fasses des comtés. Ouais, ça va être long. Ah bah alors dans ce cas-là, laisse tomber, attends que j'aille prendre Chartres séparément plus tard. Ouais, surtout qu'on a autant d'hommes, c'est assez étonnant. Allié à la duchesse, elle est où sa duchesse? Allez hop. Attends, il est allié à qui? De Transcarpathie. C'est pas en Hongrie ça? Ah si, elle est là-bas. Ouais. Moi je suis toujours blessé. Je suis affamé et mal nourri. Pénalité grave de santé. Aïe 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 aïe. J'ai peur de mourir et que la partie s'arrête là, je te le dis tout de suite. C'est pas possible. J'ai pas de... T'as pas d'enfants, ils sont tous morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais mes enfants, je les ai tués. Mais le problème, c'est que mon frère ne peut pas hériter. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi. Je suis son héritier. Mais il ne peut pas hériter de moi et je ne sais pas pourquoi. Ma foi. On remonte doucement à 13 000 hommes. C'est vrai que je suis en train de calmer à compter aussi. Faut que je prenne l'Italie. Et le problème de la Sicile, c'est que il y a Romagne à qui il faut que je reprenne la Sardaigne pour te la donner plus tard. Ouais. En tout cas, j'ai plus de faction contre moi. Donc là, on est bon. Écoute, et la culture, c'est bien placé partout. On garde les Moualadis parce qu'on les aime bien pour les prisonniers. Hein. Je vais pas les virer. Franchement, ils m'ont vraiment aidé. Hein. Ça, c'est clair. Ah, j'ai un fils. Deux fils. Qu'est-ce qui se passe? Tu es mort? Ah, je viens de mourir. Ah, mais t'avais une sale tronche. Attends. L'empereur a 0 ans. Il est né le jour d'avant. Ah, et puis attends, j'ai un truc. Difficulté araignée, j'ai un event. Je dois rester éveillé, ok. Je gagne 150. Réflexion pendant... C'est quoi ce beans? Alors, j'ose même pas imaginer... Bon, bah on va s'arrêter là pour l'épisode. Merci d'avoir... Voilà. On va faire une pause café le temps que tu pleures. Aïe. Non, je pleure pas. Je pleure pas, j'ai eu des jumeaux la veille de mon décès et de la fin de la partie, quoi. Et c'est moche, parce que c'est Turquetil l'aîné. Osmon, non, mais il est devenu le roi d'Estonie, hein. Oh, le bordel. Et t'es mort de quoi? Osmon, il est génie magnifique, et l'autre, il est vif magnifique. Bon, c'est pas terrible, par contre, j'ai perdu des terres, du coup. Ouais, mais avant de se quitter, deux secondes, t'avais un médecin ou pas avec toi? Un médecin? Oh, pourquoi faire? Oui, mais c'est ça, t'as succombé à tes blessures. Allez, on verra ça. Je suis un viking. Non, j'étais mal nourri surtout, c'est surtout ça, j'étais anorexique. C'est ça. Non, c'est vrai. La Slanovie est encore là, la Técamonie vivra et survivra, et on vous dit au prochain épisode. Bye bye tout le monde. À plus.